Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Hellblade, Senua Sacrifice, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Yo. Bon, on venait de terminer de battre le boss. Quand il était plus jeune. Elle s'allongeait dans l'herbe et fixait les nuages, alors elle les voyait visage furtif et changeant. Au bout d'un moment, les visages étaient partout, dans les arbres, les montagnes, les grottes. Est-ce que toi aussi tu peux les voir? Ils sont là que tu cherches. Oui, ils sont là en train de me regarder. Il a disparu, où est-il? Il a perdu, tout est à faute. La chanson de Valorant, pense en toi. Tu l'as encore perdu, tu es stupide. Elle peut se lever maintenant, c'est la magie, une ruse, la magie des Valorant. Pourquoi t'es du bon bord? Je suis du bon bord. Du bien raide. Encore.
C'est quoi la porte que j'ai rentrée tantôt, ça? Ok. C'est la même chose, mais de l'autre sens. Ok, ouais. On parle là tout droit, là. Laisse faire le reste. À faire. Vois-tu le visage toi aussi? Il se montre grand si tu les cherches. Mère? Seigneur, tu es comme moi, tu as la vision une fois que tu peux voir dans l'au-delà. Celui-ci peut te voir aussi comme les âmes qui l'habitent. N'aie pas peur quand elle te parle. Je serai toujours là pour te guider. Est-ce que tu l'as vue? C'était sa mère. Galena. Une prêtresse, une guérisseuse. Elle a montré à Sanua le lien qui tient le monde. C'était magnifique. C'était avant les ténèbres qui sont d'abord venues pour sa mère. Senua revoit son visage de temps en temps, caché dans le monde comme si elle veillait encore sur elle. Il lui manque tant. Regarde, ça a changé. La vois-tu? Pourquoi elle ne la voit pas?
Ymir était un géant de glace, un être des ténèbres, comme tous ses fils et ses petits-fils après lui. Certains de ses filles et de ses petites-filles étaient monstrueuses, mais d'autres attirants, mais il y en avait d'autres qui venaient de glace. Uri, grand et puissant, il ressemblait à un homme. Son fils Bor prit une belle géante comme épouse et eut trois fils, Odin et l'aîné. Pour les Nordiques, il était plus grand que Dieu, le père de tous. C'est vrai que j'ai déjà lu ça. De là, ça ne s'ouvrira pas. Pourquoi elle ne doit se défier sûr? Chose qu'elle n'est pas bonne. Les Nordiques disent qu'au tout début, il y avait des ténèbres, froid glacé à l'eau nord, de la chaleur accablante au sud. Ils disent que le froid forma la glace qui fond. Qui fondit au contact de la chaleur du sud. Les pouvoirs des ténèbres donnaient la vie à la glace rusilante et le premier géant naquit s'appelait Ymir. La glace continua de ruisseler et le pouvoir des géants lui donna vie. Il devint alors une vache dont le lait nourrissait le géant. Oui, une vache. Tu ne devais pas t'y attendre.
C'est par là que je courais, toi. On a ouvert une, il faut ouvrir la deuxième. Sur le géant de feu a répondu, son pays est plus ancien que les hommes, et les Nordiques font appeler à sa lame enflammée pour anéantir leur ennemi. Trouve le Senua, répands son sang. Elle a trouvé les vieux fous en revenant des terres sauvages. Une paria, il était brûlé sur tout le corps. Elle a eu pitié de lui, à qui il restait si peu à vivre. Hey Kay, comment ça va? J'ai ton message dans 2 secondes. Faites la forme. J'ai aimé le faire qu'en ouvrant ce jeu-là, on nous prévient qu'il peut être mauvais pour des gens qui ont des maladies mentales. Ah ouais? Je le sens, l'odeur écœurante de la chair humaine brûlée, et j'entends toujours leurs cris portés par le vent. Tu les entends aussi, ces noix? J'ai entendu les cris. Je les entends encore. Puis, qu'est-ce que tu vas faire de bon aujourd'hui? Je pense que c'est à cause des voix qu'on entend pas mal. Ouais, c'est sûr. Ouch.
J'ai trouvé une. Il semble qu'il y en a peut-être deux à trouver. Ça, c'est un projet de tutoriel sur les instigateurs de Morph, sorti en 99, genre. Un logiciel de montage vidéo. C'est tout, mais ça fend le cul. Je vais commencer à penser. Prince of Persia. Ah ouais. Prince of Persia. En forme. Ok, il manque la haine à trouver. Yeah, j'ai pu ajouter Super Mario Bros 2 à ma liste des jeux finis qui risque d'être devenir possible. Ah, Mario Bros 2, je l'ai-tu fini? Je l'ai pas fini. Je pense que je l'ai déjà réussi quand j'étais plus jeune, ça. Ah, ce jeu-là est... Ah, pareil, c'est un jeu qui peut rendre fou, là. Quand t'arrives à un tel endroit, t'es bloqué puis tu comprends pas trop qu'est-ce que t'as à faire. Hein. Je pense que c'est là que tu te laisses aller dans le sable. Nous parcourons tous cette terre en regardant dans les directions différentes. Et certains voient plus loin que d'autres. Ton père ne voit pas comme toi, mais il n'a rien de mal à voir le monde comme tu le vois. Bon, faut trouver le N. Ce jeu-là, Noé, c'est un jeu qui donne le moins d'explications possible. Busy. Que c'était? Yes, oui. Bon, on check ce bateau. Bonne nouvelle, ça. Bye. Bye. Bon, il manque une lettre à trouver, elle est où? J'ai juste joué 20 minutes, j'ai jamais repensé à y jouer, faudrait que je le me fasse. Tu parles de mon jeu quand je suis en train de jouer ou?
J'ai battu le premier boss, mais... Ça apparaît quand c'est... Qu'est-ce que je fais de mal? Ok, reviens sur tes épaules. Pengen, Dylan, what's up? Comment ça va? Peut-être. Il y a lui aussi, là. Je vais aller plus haut, ouais, là-bas, peut-être. Ah! Ah, ben je trouvais lui avec un bantan. Le chemin vers Hellman. Hellman est fermé aux vivants, mais tu marches déjà parmi les morts. Regarde-le vers la porte, et tu verras qu'elle s'est ouverte. Fallait en lignée de bantan, un arbre avec un autre. On dirait que c'est... Non, mon père est en train de m'appeler, il m'a annoncé une bonne nouvelle. Oh, quand ils sont arrivés chez moi, je connaissais un peu leur langue. Et les ai suppliés. Ils m'ont pris comme esclave, finalement j'aurais préféré être massacré moi aussi. J'ai suivi leur tempête de feu de mort et d'esclaves en bien des lieux. Ces ténèbres dont tu parles, je les connais. C'est ma maison, je l'ai payé 80 000. Puis là, avec les prix, il y a quelqu'un qui a vendu ça et qui a fait le même style de maison, mais rien qu'une salle de bain. Moi, je n'ai deux, un petit peu plus petite que la mienne. Il a eu une offre de 150 000, lui. Mais moi, je pourrais pouvoir la vendre encore mieux. Ou de sensiblement dans les mêmes prix. Il y a un bouclier. J'ai de la misère avec ce gars des boucliers. Je sais pas trop sûr que ce qu'il a fait. Quand je suis au ralenti, je peux le battre, sinon j'ai de la difficulté. C'est bon, je me fais te frapper!
Ouch! Et ça sent la mort! Il y a vraiment de la misère, celui-là, qui a... je sais pas ce qu'il y a manière d'esquiver. Je vérifie les boutons d'options. Quand tu verras une porte de feu de surf, de sûr, sache que tu que seul un sacrifice attirera les feux de Muspel et laissera les morts traverser. Trouve la porte sacrée et allume le feu, Seigneur, pour poursuivre la voie vers sûr. J'arrivais d'où, moi? J'arrivais-tu de là ou j'arrivais de là? J'arrivais-tu de la montagne ou j'arrivais d'en bas? Ah, j'arrivais pas de là, je sais. Non. Ah oui, j'arrivais d'être là. Ah, j'arrivais d'être là. Je suis bien mêlé, tabarnan. J'ai la tête ailleurs, là. Elle court pas vite, vite, Illinois. Le sacrifice, voilà, concentre-toi. Et non, les amants. Run, Forest, run, for... Elle te donnera pas les réponses que tu veux voir, mais tu dois pas ignorer les horreurs qu'il t'offre, car tu ne pourras pas surmonter les souffrances sans les regarder. Où est passé le feu? C'était une ruse, une illusion sur la... Le bûcher sur l'attend. Il ne peut pas passer. Trouve ta propre voie. Trouve ton propre chemin. Les Nordiques racontent cette histoire avant la création de la Terre.
Il y avait un monde nommé Mospel. Il se trouvait au sud. Il était chaud, enflammé, brûlant. Des étincelles venaient de Mospel, de vers des étoiles, d'autres firent fondre de la glace dans le monde gelé de Niflheim, créé le corps du géant Ymir. Mospel est un des neuf mondes et c'est aujourd'hui la terre des géants de feu. Les gens venant d'ailleurs ne peuvent pas y survivre. Niflheim. Toujours là, Cake Buddy. Qu'est-ce que tu fais? Buggy. Une autre porte, une autre sacrifice. Elle doit le trouver. Elle ne pourra jamais revenir. Tout va brûler. Comment elle va pouvoir revenir? Concentre-toi. En haut, là, faut que je mente ici. Les Nordiques disent que le défenseur de Mospel s'appelle Sur. Le premier des géants de feu, son nom signifie celui qui est noir, car il semble être carbonisé. Les Nordiques croient qu'il est assis au bord du Mospel, avec son épée enflammée. À la fin du monde, il quitte son poste, voyage vers Algard et Midgard. Il fera la guerre à tous les dieux, il sera victorieux, enfin. Il mettra le monde entier en flammes. Mon cheveu me mentait là. Ah là. Les Nordiques ont sacrifié des esclaves comme moi par le feu pour révéler la voie vers le sûr. J'ai cherché un sens à leur souffrance dans leurs yeux, mais ils ne faisaient que hurler. Toujours là, c'est bien ça. Cours, Senua, cours! Cours, Senua! Tu vas jouer à quoi, là? Prince? Le prince des Persia? Est-ce que tes dieux répondent à ta prière, Senua? J'ai prié pour la pitié des dieux, de tous les dieux, mène les leurs. Aucun n'a répondu. Au final, je me suis libéré. Pour les défier, trouve ton chemin comme moi. C'est celui de quelqu'un seul. Mes dieux m'ont abandonné, je suis seul. Ah, c'est celui-là que j'ai joué. Je crois pas que je l'avais fini, par exemple. Trouve la torche sacrée et allume le feu, Senua. Poursuive la voie vers sûr.
Mais es-tu sûr? Le sable du temps, moi je l'avais passé quand il est sorti à l'époque en PS2. Les Nordiques pensent que le monde serait détruit un jour. Ils appellent ça le Ragnarok, le destin des dieux. Asgard sera attaqué par les Sûrs et les géants de feu. Un loup monstrueux avalera le soleil et les dieux se battront en vain contre leur ennemi. Ils ne peuvent rien faire pour empêcher cela, mais Odin cherche le savoir et la magie espère en trouver un moyen de repousser ce jour funeste. Les Nordiques d'Elheim vénèrent les dévoreurs, les dieux insatiables des ténèbres. Je viens d'Erin, Sinua, où je suivais autrefois mes propres dieux, les Tournoa. Comment t'as perdu tes dieux? Sinua, j'étais un homme de savoir, pas de la guerre, pour survivre. J'ai fait de mauvaises choses. Comme toi, Sinua, l'homme que j'étais autrefois est mort. Et quand cela se produit, même les dieux que tu vénères peuvent mourir avec toi. Focus.
Ça n'a pas rapport avec la maison. De l'autre sens, là. Ah ah! Faut que je monte en haut. On va essayer ça pour voir. Ah, c'était le chemin dans le plancher. Bon.
Tu dis que ton monde s'est effondré, bien laisse-le s'effondrer, trouve le courage de pleurer, détruis ton monde alors seulement. Comme un nouveau-né, tu sors, tu verras le monde à nouveau. Mon monde est mort. Comment as-tu échappé à tes ténèbres? Après avoir trouvé ton but, je n'étais plus esclave des souffrances endurées pour atteindre. Sans peur, je vois clairement les autres, même les ravisseurs craignent le feu de sûr. Ainsi, pendant que la raid, je me suis enfui. Le feu a couru dans le feu et me croyait mort. Peut-être avait-il raison. Mais me voici libre. Le feu a couru dans le feu. Je suis heureuse de t'avoir trouvé sans toi. Je n'aurais pas réussi. Un ombrage à terre. Non. Ou de l'autre côté, peut-être. La flèche.
Les Nordiques disent que Ragnoth, les fils de Muspel, iront combattre dans le vaisseau nommé Nafgar, le navire cadavre. Et lorsque les fils de Muspel quitteront le vaisseau pour partir au combat, ce sera comme le ciel s'ouvrait en deux, alors sur les mènera. Où qu'il aille, des flammes jailliront tout autour de lui. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Ouais, je regarde trop quelque chose que je devrais pas garder ça en moi.
Ah, il est là. Caroline. Je savais qu'il fallait pas s'attarder sur le drapeau. Je peux survivre au feu de sûr et échapper à mes ténèbres, toi aussi. J'ai couru ce nuage, j'ai couru dans le feu. Cours encore, rien ne t'arrêtera. J'ai couru dans le feu. Cours, n'arrête pas, Senua. Je suis mort. Les yeux vont s'ouvrir. I'm sorry. Je suis tellement désolé. Les ténèbres détruisent tout. Tout le monde. Peux-tu vraiment le faire tout seul? Nous pouvons les combattre côte à côte, comme toujours. C'est mon combat. Je dois le mener seul, loin d'ici. Où irais-tu? Je ne sais pas. Pour combien de temps? Je ne sais pas non plus. Je crois en toi, tu le sais, promets-moi de revenir. Je veux que tu me le dises. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. Je reviendrai. Je le promets. Allez. Fais couler le sang de Sûr et prends sa marque. Je t'acclamerai depuis au-delà et je serai à jamais redevable. Tu as tout détruit. Tout sauf moi. Affronte-moi.
Yes! Yes! Pour chaque bataille remportée, une bataille plus grande encore prend sa place et ainsi de suite jusqu'à notre chute. Notre chute est inévitable, même pour les dieux. Et pourtant, nous continuons. Pourquoi? J'ai fait une promesse. J'irai à elle pour la tenir. Je meurs libre, sachant que tu emportes mes histoires avec toi. J'ai accompli ma quête. En effet, on viendra dans les ténèbres, je jure de t'aider à accomplir la tienne dans cette vie et la suivante. Je te verrai donc à elle. Sois prête à affronter l'horreur comme moi pour trouver tes réponses, ta quête, ta vérité. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Hellblade. C'est nous à Sacrifice Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!